la semaine, c'est Alexis Baudin, le chef du Pampe à Metz, qui nous régale. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur une association foie gras, shiitake. Ça, c'est quoi ? La salade d'algues. D'accord. Donc, de chez Nishikilori. Et ça, c'est quoi ? Qui n'est pas local. Alors, ça, c'est de la poudre de sardines qu'on a fait, nous, maison. Donc, c'est des sardines qui ont été en fût dans du sel pendant plus d'un an. Et on les a sorties, donc elles étaient déjà cuites par le sel. D'accord. Et on les a déshydratées et mixées. Waouh, et ça donne ça ? Ça donne de la poudre voilà, de sardines avec un garum. Donc garum, c'est pareil, c'est un garum qu'on a fait maison. Okay. Donc là, c'est fait à base de maquereau. C'est comme la Nokman, en fin de compte, mais c'est fait maison. Donc une association terre-mer, en tout cas, avec des notes de poisson iodées que tu associes avec un foie gras. Donc par contre, le foie gras, les shiitake, c'est local. Voilà, foie gras qui vient de la ferme des Saturnins en Meuse. Oui. Et puis les shiitake qui viennent de chez Mehdi, qui est à 100 mètres hein, d'ici. Hein. C'est d'accord, plein cœur de Metz, on fait du shiitake en plein cœur de Metz. Plein cœur de Metz, on fait du shiitake, il y a zéro déchet de CO2, il m'est venu l'urée ce matin, c'est à pied, on a bu un café, et voilà. Donc on commence par notre vinaigrette, qui va assaisonner cette fameuse salade d'algues. Alors c'est les salades d'algues, j'ai mis à réhydrater, hein, parce que c'est en sec. Oui, il y a quoi dedans, voilà. Il y a du kombu. Il y a de la laitue, de mer, du nori et la rouge, d'accord. L'algue rouge. Voilà, donc ça vient de chez Nishikilori, qui est notre fournisseur de produits japonais, asiatiques. Donc tu as assaisonné avec du gros sel, la fleur de sel, je mets de la sésame. Voilà. Ouais, donc on aura vraiment des notes asiatiques. Hein. Voilà. Ensuite, je mets un peu d'huile, d'huile basique. D'huile classique. Voilà. Et puis l'assaisonnement. Et ça, c'est quoi ? Du vinaigre à sushi. D'accord. Voilà, c'est un peu sucré, salé. Mmh. C'est un peu. Et là, tu mélanges tout. Voilà, on mélange. Donc là, c'est bon ? C'est fait. On fait quoi ensuite, Alexis ? Donc là, on va assaisonner la sauce. Et avec du fond de veau qu'on fait maison. Je le récupère. Et notre garum. Donc là, c'est un fond de veau. Basique. Hop. Voilà. Et donc le fameux... Le fameux garum. Donc comme c'est très salé, on va mettre une lichette. D'accord. Ah oui, c'est salé et puissant, quoi. Très puissant. D'accord. Ouais. Ouais, donc tu mets l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. Là, on sent. Ouais, ça sent. Non, voilà. Et là, on va mettre au chaud. D'accord. On remet au chaud. Voilà. Et puis, tiens, je m'en occupe. Et puis, on peut quoi ? S'occuper du foie gras ? Et là, on va couper le foie gras. Comme c'est du foie gras poêlé, on ne l'éveine pas. On coupe. Voilà. Donc, tous tes foie gras viennent de la ferme Les Saturnins. Ouais. L'avantage, c'est que l'avantage qu'on a en travaillant local en foie gras, c'est qu'on n'a pas eu de rupture de foie gras de toute la saison. Mmh. Parce qu'avec la grippe aviaire, tout ce qui était des foie gras du sud-ouest, tous les élevages ont été décimés. Et chez nous, on a la chance de ne pas avoir de pas être embêté avec la grippe aviaire. Et c'est un producteur avec lequel tu travailles depuis combien de temps ? Monsieur, Madame Bouchot, on travaille depuis deux ans et demi. D'accord. Ouais. Et j'étais très satisfait du produit. Ah oui. Ben, je voulais du foie gras local et j'ai cherché. Puis je suis tombé sur eux. Mm-hmm. C'était pendant le confinement, le premier confinement. Ouais. Donc on travaille le magret de canard aussi avec eux. D'accord. Et le foie gras. Donc on va passer les shiitake en cuisson, le foie gras qu'on va poêler. À la fin, en tout dernier, le foie gras. D'accord. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Et on dresse. Et on mange. C'est top.
En fait, c'est assez bluffant. Parce qu'on a ce côté iodé, poisson qui est là et qui se marie super bien avec le foie gras. Son terre et mer. Du foie gras qui... Qui est là pour enrober le tout. Avec les jitakés, c'est trop bon. Et puis ta petite salade de pousse, c'est waouh. En fait, c'est une recette. J'ai du mal à décrire ce que je ressens parce que c'est hyper original. Ouais. En termes de goût, c'est pas des goûts qu'on a l'habitude d'associer. Et vraiment, c'est bluffant. On a l'habitude de voir la langoustine avec le foie gras, mais là, c'était c'était un essai, puis ça a marché. Donc, ça fonctionne super bien, ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment bluffant. Prochaine recette, ça sera quoi? Alors là, on va partir. La barre est haute, là, parce que waouh. Là, on va partir sur un thon rouge de ligne, donc de Méditerranée. Avec une texture de concombre, donc des concombres qui viennent aussi pareil local, de chez Henri Malassé. Donc on va le relever avec un pesto thaï et on va faire surtout une vinaigrette avec toujours avec du garum qu'on fait nous maison, que je vais associer avec de la sauce soja. Et voilà, et on va faire l'assiette avec tout ça.